Bonjour les amis, alors une petite confidence comme ça que je vous fais parce qu'elle a été vraiment importante pour moi, dans mes relations notamment, c'est que quand je discute avec une personne, ça peut être un collaborateur, une collaboratrice, un ami, un parent et parfois même un enfant, et que je me rends compte qu'on n'est pas d'accord en fait sur les choses, eh bien c'est toujours de me dire, avant de chercher à faire passer mon point de vue, avant de vouloir défendre mon point de vue, c'est de commencer par écouter celui de l'autre, et notamment en revenant sur la partie sur laquelle je suis d'accord. C'est-à-dire, tiens, dans ce que tu as dit, ça me surprend un peu, mais il y a quand même un point sur lequel, a priori, je peux te rencontrer, ou en tout cas, je suis d'accord avec toi, c'est ce truc-là. Et cependant, moi, ce que je pense par rapport à tout ça, et là, je vais renvoyer, en fait, en quelque sorte, mon propre point de vue. Mais c'est très important de, un, écouter d'abord le point de vue de l'autre, très important, et de voir dans son point de vue à quoi je suis en fait d'accord, avec quoi je suis vraiment d'accord. S'il y avait une petite chose dans laquelle j'étais au moins un peu d'accord. Et vous allez voir que le fait de reconnaître l'autre et de le reconnaître sur un point d'accord, et bien après ça va être beaucoup plus facile de vous faire entendre sur votre propre point de vue, surtout s'il est vraiment différent. Expérimentez, vous allez voir, c'est génial. À tout bientôt. Je vous en prépare une autre et même des autres pour ces prochains jours. Ciao.